Jerem Star, son dernier communiqué enflamme Twitter. Ce mardi, Jerem Star a posté sur ses réseaux sociaux un nouveau communiqué de presse dévoilé après une plainte pour viol sur mineur qui vise une de ses proches, Pascal Cardona aka Babybel. En se désolidarisant des agissements supposés de son ancien ami, le blogueur cesse d'attirer de nombreux commentaires négatifs sur Twitter. Non Stop Reality vous en dit plus. Le 14 janvier dernier, une vidéo montrant Shanna Kress et Adrien Laurent des anges de la télé-réalité 10 en train de s'embrasser faisait le buzz sur les réseaux sociaux. En reprenant cette exclusivité sans mentionner le jeune homme à l'origine de cette révélation, à savoir Akabab, Jerem Star cesse d'attirer ses foudres. En effet, pour se venger, l'influenceur a posté sur la toile une vidéo intime du blogueur. Dans la foulée, il a aussi fait des déclarations sur les proches de Jerem Star, notamment sur Pascal Cardona aka Babybel. Des révélations qui ont eu des conséquences sur le quotidien du blogueur, entre l'annulation de sa visite à Pau pour une séance de dédicace à son retrait des terriens du dimanche, émission dans laquelle il officiait en tant que chroniqueur. Après l'ouverture d'une enquête par le parquet de Paris, Jerem Star s'est exprimé dans un communiqué dévoilé le 17 janvier dernier, et dans lequel il annonçait avoir engagé des poursuites judiciaires contre son cyberagresseur. Comment tu dénonces facilement tes amis, ça fait peur cette semaine. L'affaire a pris une nouvelle tournure après la plainte déposée par un jeune homme ce lundi pour viol sur mineur contre Pascal Cardona. Si Jerem Star a lui aussi été impliqué dans cette affaire pour complicité, il s'est exprimé ce mardi via un communiqué publié sur ses réseaux sociaux. Après avoir clamé son innocence, il a confié qu'il se désolidarisait des agissements de son ancien ami, Babybel. Que me reproche-t-on, au final, sinon d'avoir eu le malheur de connaître Pascal Cardona ? Le dièse Jerem Star gâte n'existe pas. Le dièse Cardona gâte existe, a-t-il écrit. Des déclarations qui ont fait réagir les internautes, certains lui reprochant d'accabler celui qui était encore avant cette affaire l'une de ses plus proches amies, voire capture écran ci-dessous.